Bonjour, bonjour Valérie, bonjour à tous qui suivez peut-être en direct ou en différé ce nouvel épisode de Bibliogrill sur le thème, enfin, avec ce titre, une médiathèque augmentée et hybride imaginée avec ses usagers. Qu'est-ce qui se cache derrière ces termes? Une médiathèque qui est aussi un centre social ou un centre social qui est aussi une bibliothèque, vous nous direz, mais déjà c'est pas si courant. On connaît quelques exemples, mais pas tant que ça. Et puis, surtout, un lieu qui est le fruit d'un travail avec les habitants. Et c'est sur cette partie que Valérie Brujas va intervenir aujourd'hui. Donc, Valérie, je vous présente très rapidement. Pendant 6 ans, vous avez été directrice du réseau de lecture publique de Vaux-en-Velin et particulièrement en charge du projet de la nouvelle médiathèque. Et vous vous êtes immergée dans cette méthode de design de service. Et donc, vous allez nous la présenter à la fois cette démarche, mais aussi les conditions de sa réussite, car les enjeux sont nombreux. Et vos questions sont les bienvenues sur Facebook. Je les poserai à Valérie à l'issue de sa présentation. Valérie, nous vous écoutons. Bonjour, merci Eleanor de m'avoir invitée pour présenter ce projet effectivement innovant porté par la ville de Vaux-en-Velin. C'est un projet qui s'est inscrit dans la durée et qui s'ancre dans cette ville de Vaux-en-Velin qui est située dans l'est de la métropole de Lyon. C'est la 4e ville de la métropole qui voit aujourd'hui se développer puisqu'elle présente une forte croissance démographique de plus de 1000 habitants chaque année. Elle est riche d'une histoire d'une ville hospitalière, on va dire, qui a accueilli au fil des années de nombreuses populations. Elle est riche de 43 nationalités. Elle dispose aussi de ressources naturelles très importantes et également foncières qui ont fait sa particularité et sa singularité. Vous allez l'observer, je vais vous parler notamment du nord de la ville, puisque Vaux-en-Velin a une particularité, c'est que parmi ses ressources naturelles, elle dispose de la présence du Rhône, elle se love dans son coude, qui fait qu'elle est en proximité d'un grand parc, deuxième plus grand parc européen, qui est le parc de Méribel-Jeunage. Et on voit que le Rhône aussi l'entoure et la subdivise en deux. Au nord de cette ville, on a une ville historique, hein, moyenâgeuse avec ses maraîchages. Au sud, on a une ville qui s'est développée au début du XXe siècle du fait de l'installation de l'industrie de la soie. Et dans les années 60-70, dans le cadre du programme des grands ensembles nationaux, Vaux-en-Velin a été transformée durablement et urbanistiquement par l'installation d'une ZUP, zone à urbaniser en priorité, avec l'aménagement, la construction de 8300 logements sociaux, plus particulièrement dans le nord de la ville, ce qui a amené dans les années 90 les habitants, et notamment les jeunes de cette ville, à se révolter, considérant que voilà, une ville monofonctionnelle, très bétonnée, avec uniquement des habitants qui n'avaient que des caractéristiques liées à leur économie, à leur précarité, et aussi avec des bâtiments qui, au cours du temps, n'avaient pas la qualité suffisante et vieillissaient mal, on considérait que c'était plus possible de vivre de cette manière-là. Et l'ont manifesté, et l'État l'a entendu, puisque c'est à partir de ces manifestations des années 90, au Mas du Taureau notamment, que le président d'alors, François Mitterrand, a mis en place une nouvelle politique en faveur des quartiers dits politiques de la ville,
Et c'est pourquoi à Vaux-en-Velin, nous avons un dispositif grand projet de ville qui existe et qui permet justement dorénavant d'être à l'écoute et de concerter les habitants sur les nouveaux aménagements. Alors, maintenant, on va un peu zoomer sur ce quartier du Mas du Taureau, qui, comme vous le voyez, là, je vous présente une vue du Mas du Taureau dans 10 ans. Et en fait, la médiathèque Maison de Quartier, l'équipement dont je vais vous parler, est située au cœur de ce futur quartier, puisque depuis l'année 2014, la nouvelle municipalité, dont la maire est Hélène Geoffroy, a souhaité rompre avec ce schéma des UP en disant une ville, c'est un lieu de mixité, c'est un lieu où on trouve différentes fonctions commerciales, des équipements publics, c'est aussi un lieu où les transports en commun facilitent aussi la mobilité des habitants, et elle a défendu l'arrivée des passages du tramway au sein de ces quartiers, et c'est aussi une ville où les habitants participent à la construction de la ville, et également aux services, et formulent leurs besoins pour de nouveaux services. La culture, l'éducation sont considérés comme des domaines qui favorisent la réussite, et tout particulièrement la réussite des jeunes. Et c'est pourquoi la médiathèque Maison de Quartier est un équipement, on va dire, un peu symbolique et témoin de cette évolution et de cette transformation de la ville et du quartier. Là, on voit plus particulièrement un zoom sur ce futur quartier, avec à droite la médiathèque Maison de Quartier, qui devient, on va dire, un équipement un peu phare, totem d'un lieu de vie, aussi d'une ville où on trouve des espaces où on peut échanger, discuter, une halle de marché, puisqu'il y a un très grand marché à Vaux-en-Velin. Et c'est un peu cette tonalité qui a présidé au développement du projet de la médiathèque Maison de Quartier. Alors, comment s'est-il déroulé ce projet ? Et effectivement, j'ai souhaité vous évoquer la question de l'hybridité. Ce n'est pas un concept qui arrive comme ça, comme un ovni sur un territoire, mais c'est toute une démarche en fait, qui a amené à l'imaginer. Et cette démarche projet, comme vous le voyez, elle est traditionnelle. On part de la décision des élus en 2015 par un vote en conseil municipal de réfléchir sur un nouvel équipement qui conjugue des fonctions sociales et culturelles au sein du Mas du Taureau. On recherche des financements, puisqu'on est un quartier politique de la ville. L'ANRU soutient cet équipement sur sa construction. Le ministère de la Culture, bien entendu, est présent et accompagne le positionnement du lieu, prévoit aussi son financement. Et puis, il s'inscrit, ce nouveau projet, au sein d'un réseau de lecture publique qui est important à Vaux-en-Velin. On a une bibliothèque à 15 minutes de chaque habitation. Et ce nouveau pôle va plutôt poser un pôle, on va dire, de centralité, de tête de réseau de ce réseau de la lecture publique, et va amener à aussi intégrer des fonctions nouvelles, sociales, dont on ne connaît pas précisément le contenu. Ensuite, le choix qui est fait, c'est d'entrer dans la phase de programmation, mais d'ores et déjà de manière participative. Ensuite, on aura la phase architecturale, où là, c'est l'architecte qui conçoit le projet sur la base du programme, la phase de travaux et la phase de mise en exploitation. Et ce que j'ai souhaité vous présenter, c'est comment, à Vaux-en-Velin, on a justement associé les habitants à ces différentes phases. Sur la phase programme, on a travaillé avec le bureau d'études ABCD qui a animé 10 réunions de concertation avec des groupes thématiques d'acteurs, que ce soit des acteurs de l'enseignement supérieur avec l'ENSAL, le NTPE qui sont sur le territoire, des acteurs de l'éducation, des acteurs d'associations d'éducation populaire bien sûr, les professionnels des bibliothèques et des services jeunesse également. Et on a travaillé avec eux et avec les habitants sur des ateliers d'idées, et notamment un important, où on leur a demandé ce qu'ils imaginaient dans ce lieu. Ça, c'était la première phase pour réfléchir sur les fonctions attendues et comment les habitants et les différents partenaires voyaient le lieu. L'idée ensuite a été de restituer ce travail auprès des participants lors de réunions publiques. Mais tout le monde ne va pas forcément à une réunion publique, mais également nous sommes allés dans la rue, sur les marchés, à la sortie des bibliothèques pour restituer avec des panneaux, des kakémonos, ce qui avait été proposé et ce qui avait été retenu dans le programme. Ensuite, on est passé à la phase de conception et là, effectivement, l'architecte lit le programme et lui propose une forme, on va dire, spatiale,
un esprit qui lui correspond. Et nous avons eu la chance d'avoir Rudy Ricciotti qui a répondu parmi les 64 architectes qui ont répondu au concours d'architecture et qui a été finalement à la fois le plus singulier puisqu'il a, il a posé, on va dire, sa plume et son dessin, mais en même temps le plus fidèle au programme puisqu'il a eu une compréhension de ce qui avait été proposé, notamment l'organisation en univers, cette distinction, le fait d'avoir des atmosphères, on va dire, différenciées. Et il a vraiment respecté cela, ce qui a fait que son projet a été retenu. Je me permets de vous dire qu'il vous reste 5 minutes. Ça passe très vite. Effectivement. Ensuite, il y a eu des ateliers avec le designer qui était là, des actions aussi de préfiguration. Pendant le temps de réalisation, on a aussi associé les habitants et durant l'exploitation, c'est prévu, puisque là, on vient d'ouvrir, qu'ils soient associés notamment dans le cadre de l'animation du lieu, dans le cadre d'un conseil d'animation participatif. Alors, je vais vous présenter maintenant différentes petites visions, voilà, les images qui traduisent ces ateliers d'idées dans la phase programmation avec les différents acteurs que j'ai évoqués. Comment on a restitué en disant voilà ce que vous avez demandé, voilà ce qu'on a retenu, donc avec un petit livret qui a été réalisé qui le décrit. Ensuite, donc, sur cette base-là, le programme a identifié des espaces, donc une cuisine, un café, des espaces de formation, bien sûr une bibliothèque. Et dans la phase conception architecturale, on a travaillé, par exemple, le designer de Rudy Ricciotti et des jeunes lecteurs pour réfléchir notamment sur les espaces de jeux vidéo, pour leur faire des propositions, et sur les collections aussi, notamment, qui étaient attendues. Des jeunes lycéens ont également fait des propositions où ils disaient, voilà, nous, on a besoin de salles de travail, salles de jeux. On a aussi mis en place d'ores et déjà, quand on pouvait, des actions de préfiguration dans la bibliothèque historique, ouvert plus largement, mis en place le RFID. On a créé une médiathèque numérique, un événement autour du numérique, puisque c'était une attente très forte, installé une microfolie à la bibliothèque Pérec. Et sur la phase de réalisation du chantier, on a associé les habitants pour la pose de la première pierre. On a également travaillé sur une carte, on va dire, des usages du lieu, emmener les habitants et avec différents professionnels, partenaires, visiter une médiathèque un peu identique à Vitrolles dans un quartier aussi politique de la ville. On a essayé des sièges, visiter le MUCEM puisque c'était l'architecte qui était choisi, visiter un Media Lab pour comprendre un peu les fonctions de ces nouveaux lieux, travailler sur la participation avec les habitants également, en s'imaginant dans le futur lieu de manière symbolique. Et puis, on les a sollicités pour demander qu'est-ce que c'est que pour vous la participation, qu'est-ce qui vous motiverait. Puis, on a demandé à l'architecte de venir. Il a rencontré les habitants, fait des visites avec notamment aussi des étudiants, des jeunes du territoire. Et puis, pour la phase d'exploitation, on travaille sur la mise au point de la préparation de l'ouverture. Pendant l'été, on a mis en place des animations en bas des immeubles près de la médiathèque Maison de Quartier. Pour les familles et les jeunes qui sont les deux publics cibles, on a une future structure d'exploitation du lieu qui va se réunir bientôt, qui comprend notamment des différents collèges et notamment des collèges habitants associatifs. Et puis, voilà, en février, on a ouvert avec un temps d'appropriation, pas tout de suite l'inauguration, des temps d'animation du lieu. Et voici quelques visuels du lieu qui aujourd'hui, avec un plan des usages aussi, qui décrypte les espaces, qu'on a conçu aussi avec les habitants par des réunions focus group. Et puis voici le lieu aujourd'hui, l'espace d'accueil qui est là au cœur du projet. Là, le jour de l'ouverture, où les habitants sont venus massivement. Là, c'est plutôt le projet architectural avec les circulations, justement, qui permettent de servir les univers de manière spécifique. Un patio, parce que c'était demandé aussi, un lieu où on pouvait se poser à l'extérieur. Il y a aussi des cours extérieurs. Là, on voit les circulations qui viennent sur le patio. Un espace social où on peut échanger, discuter, un Fab Lab autour du numérique, la création numérique, un espace de jeux vidéo, on l'a évoqué tout à l'heure avec les jeunes, des espaces de formation pour travailler tranquillement parce que chez soi, on n'a pas forcément des lieux adaptés, et bien entendu, des ressources, des espaces ressources traditionnels, on va dire, un espace pour l'enfance qui est différencié de l'espace jeunesse, une ludothèque, c'était aussi une attente qui était formalisée, et voici maintenant les habitants dans le lieu, et si vous avez remarqué, on voit la chaise bulle qui était testée par un jeune à la bibliothèque de Vitrolles qu'on a acheté dans le futur lieu. Des animations autour des jeux de vidéo qui ont commencé avec des associations qui portent le projet aussi, qui sont opérateurs dans le lieu, avec 300 jeunes qui sont venus. Une conférence avec Benjamin Stora. Et là, on trouve, alors je les connais tous, hein, des personnes qui ont participé au projet qui sont présents. Et voilà, on travaillait sur les mémoires et la mémoire de la guerre d'Algérie notamment.
Il y a des jeunes qui sont présents, puis les collections de mangas, ils les attendaient et ils étaient présents. Et voici une jeune également qui veut devenir demain architecte et qui fréquente de manière assidue la médiathèque Maison de Quartier. D'accord. Est-ce que vous pouvez revenir sur les différents univers que vous avez, qu'on a vu un petit peu rapidement? Moi, j'ai du mal à voir où se situe le centre social. On voit plutôt des univers bibliothèques. Oui, alors effectivement, on ne les voit pas beaucoup là, dans les photos que je vous ai montrées. Mais de toute façon, vous ne les verrez pas, ils ne sont pas séparés. C'est une des spécificités de l'hybridité, c'est que cet équipement est pensé comme un équipement intégré. Et on a travaillé en phase programme sur les différents scénarios d'aménagement du lieu. Soit on avait un centre social et une médiathèque côte à côte, soit on avait une médiathèque et un centre social avec des équipements mutualisés. Et on s'apercevait qu'il y avait quand même des espaces qui étaient en doublon dans les deux équipements, ou alors un équipement intégré avec une équipe unique mais plurielle, avec des métiers différenciés, et c'est ce qui est prévu dans le nouveau lieu, et donc qui est en train de se constituer petit à petit. À la fois, il y a des profils sociaux et culturels qui sont prévus et qui sont attendus notamment par la CAF, hein, puisqu'un centre social est labellisé par la CAF avec des préconisations sur les profils de poste. On a une entrée vis-à-vis aussi par public, c'est-à-dire que les pôles, il y a des pôles qui sont communs par rapport à l'enfance, la jeunesse, les adultes qui sont présents, et également des pôles transversaux autour d'enjeux qui sont identifiés aujourd'hui, le numérique, l'inclusion et l'action culturelle. Donc, là, donc, c'est, et le lieu, par exemple, la cuisine, qui souvent est un peu le lieu symbolique des centres sociaux, sa fenêtre a une grande fenêtre qui donne sur l'espace ressources, qui comprend de nombreuses ressources autour des livres de cuisine, mais qui comprend aussi la table d'hôte, qui comprend un espace des initiatives, et c'est le Café Social Club dont j'ai montré le visuel tout à l'heure. Alors une question là-dessus qui est arrivée. Pouvez-vous nous donner des informations sur le café social et les premiers retours? Alors, le retour que je vais vous faire, il date de 3 mois. Et en fait, comme je vous le disais, on est en train de constituer les équipes petit à petit. Mais le Café Social Club, on a trouvé son nom un petit peu à la fin. On a appelé ça mini-bibliothèque au début, mais on s'est dit, ça ne va pas. Mais c'est surtout la zone chaude, on va dire, de la médiathèque Maison de Quartier, c'est-à-dire le lieu où on a le droit de parler fort, d'échanger, de se rencontrer, d'avoir des temps de convivialité. Et c'est un peu le lieu aussi, premier lieu d'appropriation de la médiathèque, où on peut amener des jeux. Voilà. Donc, et ce lieu, il est aménagé avec notamment en termes de ressources la presse. On a toutes les ressources de la médiathèque Maison de Quartier qui sont dans cet espace. C'est pour ça qu'on parlait de mini-bibliothèque. On a des livres pour enfants, des livres pour adultes, des romans. Une spécificité, puisqu'on a la cuisine avec les collections autour de la cuisine. Et puis, on a cette salle des initiatives. Et aussi, chaque univers qui est au rez-de-chaussée a un espace extérieur. Et cet univers a comme espace extérieur, en fait, des tables de pique-nique et également une terrasse où on peut sortir et puis aussi aller lire un livre à l'extérieur. D'accord, merci beaucoup. Une question sur l'équipe, les forces humaines nécessaires pour mener un tel projet en impliquant les publics. Et donc, en plus, on imagine des métiers pas complètement traditionnels, c'est pas tellement cœur de métier pour un bibliothécaire. Et puis, les profils de ces professionnels. L'équipe de cœur, on va dire, de la médiathèque Maison de Quartier, ce sont les bibliothécaires qui, historiquement, étaient à la bibliothèque Pérec, donc avec, bien sûr, de nouveaux descriptifs de poste qui font qu'ils savent qu'ils sont dans un lieu hybride où ils vont être amenés à mener des projets, pas seulement dans le domaine de la valorisation du livre, mais également avec une fonction sociale affirmée et aussi une politique d'animation très forte, donc un travail autour, on va dire, du livre qui est plus dans l'accompagnement, le conseil, l'animation et l'émancipation. Donc là, c'est l'évolution du métier de bibliothèque est plus dans ce sens-là. Par contre, on ne demande pas aux bibliothécaires d'être des animateurs de centres sociaux, designers, effectivement, pour l'équipe, on va dire, aujourd'hui, qui anime le lieu. Donc, des profils type
éducateur, animateur jeunesse, animateur, conseillère familiale, sociale et familiale qu'on retrouve dans les centres sociaux, sont en cours de recrutement, directeur de centre social. Donc, le directeur général qui est Jérôme Trio aujourd'hui a deux directeurs adjoints, un pour la partie lecture publique et action culturelle et un autre directeur adjoint pour la partie centre social. Donc, l'important, c'est bien, on différencie bien les métiers. Par contre, c'est une équipe unique qui va amener à porter un projet d'établissement commun. Et alors, c'est quoi le secret pour que la mayonnaise elle prenne entre les différents métiers? Le secret, c'est déjà que le projet d'établissement il soit cohérent et qu'il pose clairement cette hybridité. Le secret, c'est aussi qu'à un moment donné, il n'y en a pas. C'est que les besoins des habitants, quand on a fait les réunions avec eux, ils ne nous disent pas « moi, je veux un projet culturel ou je veux un projet social ». Eux, les habitants, ils ont des besoins. Et les besoins sociaux et culturels, ils s'entrecroisent, ils sont hybrides dans une famille. On ne dit pas, voilà, oui, on dit pas voilà, je vais aussi à la bibliothèque pour discuter, rencontrer des amis, discuter, rencontrer mes voisins, rencontrer les amis de mes enfants, faire qu'ils rencontrent, aillent travailler entre pairs, entre eux, qu'ils aient de l'aide aux devoirs, voilà. Donc, cette différenciation, c'est nos politiques publiques qui les ont posées, mises en place. Et il y avait besoin d'avoir des personnes qualifiées au sein des bibliothèques, mais les usagers, les habitants... ils souhaitent être accompagnés dans leur parcours de vie et de réussite. Et nos politiques publiques, elles sont loin d'eux, on va dire, dans ce cas-là. Alors, on a aussi une question, enfin, un souhait que vous reveniez un peu sur la partie participative, et ça va avec détailler le moment où vous avez consulté le public, d'une part, et peut-être en différenciant le côté partenaire et le côté habitant, parce que j'imagine que ce n'est pas tout à fait les mêmes personnes. Et en deuxième partie, est-ce que vous continuez à faire participer les publics depuis l'ouverture? Donc, voilà, peut-être revenir un peu sur ce lien privilégié avec les habitants. Alors, depuis l'origine, on a sollicité à peu près, moi je pense, plus de 2000 habitants. Donc, le chiffre, il est assez important. Et effectivement, sous plusieurs formes. C'est-à-dire que ce n'est pas un seul groupe qui vous suit dans le temps, du début à la fin du projet. C'est vrai qu'on sait que le temps des habitants et le temps des projets, souvent, il est différencié. Et ensuite, mais il y a aussi des habitants qui me suivent depuis le début du projet, qui sont encore là et qui étaient à l'ouverture et qui me disaient, depuis la première semaine, je suis venue 3 fois dans le lieu. Voilà, donc on a personnes passionnées qui nous suivent depuis l'origine. Après, ce qui est important, c'est que plus vous avez fini votre projet d'établissement, si les familles ou par exemple les jeunes pour nous sont des publics cibles qui sont identifiés, qui sont posés aussi avec les partenaires et des diagnostics territoriaux, notamment avec la CAF, il y a une convention territoriale globale qui a été signée, les jeunes sont un axe fort. On est aujourd'hui une cité éducative à Vaux-en-Velin, donc les jeunes sont un axe fort de la ville. Donc, on a aujourd'hui, et on a avec la Fédération des centres sociaux, une chargée de mission qui a travaillé sur ces questions-là en animant des groupes de travail spécifiques par rapport au public jeune, voilà, le service jeunesse. Donc, on a mis en place un groupe d'ambassadeurs jeunes, par exemple, qui aujourd'hui sont dans la médiathèque, participent à son animation. C'est-à-dire, c'est quoi des ambassadeurs jeunes? Comment vous les recrutez? Qu'est-ce que vous les formez? Qu'est-ce qui se passe? Alors, les ambassadeurs de la jeunesse, en fait, ils ont été mobilisés avec les acteurs de l'éducation populaire du territoire, les centres sociaux, notamment, et qui ont des groupes jeunesse, et également les lecteurs de la bibliothèque Pérec. Donc, tout le monde a mobilisé ces différents acteurs et on leur a proposé un parcours. Ils ont par exemple participé pour créer le groupe, ils ont participé à un escape game, ils sont allés visiter, fait une visite à Paris. Bon, avec le Covid, on a été un petit peu perturbés. Ils étaient présents pendant l'ouverture de la médiathèque Maison de Quartier. Donc voilà, ce sont des jeunes privilégiés, on va dire, dans la démarche et qui, en même temps, qui s'engagent. Et donc leur mission, c'est ça, c'est de faire la promotion du lieu. Oui, et puis aussi de dire ce qu'ils souhaitent. C'est pas seulement. Oui, bien sûr, évidemment. Voilà, ils sont pas seulement. C'est qu'à un moment donné, ils sont aussi notre interface. Demain, ils pourront participer au groupe de travail thématique et poursuivre leur engagement, l'expression des besoins des jeunes, parce qu'ils évoluent avec le temps. Après, vous évoquez les partenaires. Alors, on a mis en place des comités techniques et bien sûr des comités de pilotage avec nos partenaires, hein, que ce soit l'État, la politique de la ville, la DRAC, bien entendu, partenaire depuis l'origine, et le ministère de la Culture, même au niveau central. On a également des partenaires, mais aussi associatifs. Voilà, à la fois, il y a les partenaires institutionnels, mais associatifs. Et les associations, les habitants sont aussi partenaires aujourd'hui. L'enjeu, c'est que, à un moment donné, on ne fait pas que de l'information, on ne va pas te demander, par exemple, quel est le nom que vous imagineriez pour le lieu.
Savoie-en-Velin, il n'a pas été choisi par les habitants, mais on n'est pas que sur une participation informative ou décorative, mais on souhaite vraiment qu'il soit acteur du lieu, voire partenaire, voire opérateur. Et c'est pour ça qu'on a commencé, là c'est en train de se faire, le directeur rencontre des associations et voit comment par exemple le Fab Lab, ce serait une association locale qui va être l'animateur du Fab Lab. Et de plus en plus, ils vont participer à cette animation du lieu. D'accord, donc vous laissez un peu les clés aux associations. On leur laisse les clés à partir du moment où on est d'accord aussi avec eux sur le projet d'établissement, où on est d'accord sur les finalités. À un moment donné, il faut aussi la participation, c'est on partage ensemble les besoins, qu'on construit le projet. Et ensuite, on est dans un rapport de confiance à partir de ce moment-là, donc on peut laisser les clés. Alors, on a une question un peu plus sur la gouvernance. Pouvez-vous préciser ce que vous envisagez comme fonctionnement pour votre conseil d'administration participatif? Alors, il était important pour nous, pour la structure de gestion, de répondre à deux besoins. Le besoin du ministère de la Culture qui considère que ancrer une politique de lecture publique sur un territoire, c'est l'inscrire dans le cadre de politiques publiques, municipales notamment. Et puis la dernière loi l'a montré, quoi, que c'était très important de commencer à poser les bibliothèques aujourd'hui dans le schéma, on va dire, dans le paysage culturel français, de le légitimer. Et maintenant, c'est vrai, bravo à Sylvie Robert en passant. Et puis, l'autre attente, c'était celle de la CAF qui habituellement, et ça c'est spécifique au département du Rhône, qui accepte principalement des centres sociaux gérés sous forme associative, ce qui permet d'avoir des conseils d'administration, des assemblées générales, des... Voilà, donc le dispositif hybride qu'on a trouvé entre deux, c'était de créer une régie à autonomie financière qui en fait permet de, qui dépend on va dire de la collectivité, c'est un service public, donc il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Par contre, ce service public dispose d'un conseil d'exploitation, c'est un peu un conseil d'administration si vous le voulez, avec un président, le directeur aussi qui est présent et qui a une fonction au sein de ce conseil d'exploitation, et qui est ce conseil d'exploitation est composé de trois collèges, un collège d'élus, un collège associatif et un collège de personnalités partenaires qui peuvent aussi y participer. Et voilà. Donc, ça permettait de répondre à ces trois demandes, à la fois d'ouverture, d'accueillir aussi la parole habitante au sein de l'organe décisionnaire du lieu et de le faire remonter ensuite au conseil municipal. Alors, la parole est accueillie, mais est-ce qu'elle est vraiment écoutée? Est-ce qu'elle a le même poids? Ils auront le droit de vote. À un moment donné, ils ont voix délibérative. Après, voilà, c'est comment est-ce qu'on... À un moment donné aussi, c'est que un lieu institutionnel, on va dire, co-construit, co-géré, à un moment donné, on va être dans des recherches on va être en débat et dans des recherches de consensus, mais là, ce n'est plus notre métier. et c'est un peu ça, l'enjeu aussi des bibliothèques, c'est aussi de remettre en place des instances d'échange, de partage démocratique. Après, le débat démocratique, il est privilégié. Et voilà. D'accord. De toute façon, effectivement, les instances où on peut au moins échanger, c'est toujours très important, et que les bibliothèques soient au cœur de cette rencontre et de cette possibilité semble très important. Il reste 2 minutes. Alors, y a-t-il des actions en faveur des primo-arrivants qui mêlent bibliothèque et centre social? Oui, alors ça, c'est même historique à Vaux-en-Velin. On a un projet qui existe depuis au moins 10 ans, qui s'appelle le Café des langues, qui permet justement d'accueillir la diversité linguistique existante à Vaux-en-Velin et en même temps d'accueillir les nouveaux arrivants qui ne parlent pas le français souvent. On travaille par exemple avec l'IFRA, qui est une structure de formation et d'accueil des nouveaux arrivants à Vaux-en-Velin, et on met en place des projets participatifs où les habitants sont acteurs, choisissent des textes, écrivent des textes autour d'une thématique commune. On a aussi un projet Kamashibai autour des langues qui se développe avec les accueils de loisirs à Vaux-en-Velin. Donc, ça fait partie, on va dire, de l'ADN des bibliothèques depuis longtemps et qui va perdurer dans le projet, bien entendu.
Dans l'équipe, il y a des compétences linguistiques Bien sûr, il y a des compétences exceptionnelles. dans. Oui, puisqu'on a une équipe plurielle aussi au sein des équipes. Et en même temps, on fait appel à des intervenants artistiques, notamment là, c'est la compagnie des Arpenteurs qui intervient, qui en fait se sont spécialisés, qui sont ouverts à ce type de démarche. On a été aidés par le ministère de la Culture, notamment dans le cadre des appels à projets autour des langues. Alors, ça me permet de rebondir sur une autre question qui n'était pas exactement ça, mais qui était comment les associations peuvent animer, par exemple, le Fab Lab. Est-ce qu'ils sont rémunérés? Et en fait, c'est un peu la question pour tous vos différents intervenants, parce que manifestement, vous en avez vraiment beaucoup. Comment est-ce que ça se passe Alors, cela dépend, en fait, déjà de leur structure. Hein, par exemple, pour le Fab Lab, on fait appel à une association qui a un volant professionnel important, qui est l'association Planète Science, qui est une association spécifique qui a pour particularité de faire de l'éducation populaire dans les quartiers politiques de la ville. Et notamment, on a un planétarium à Vaux-en-Velin, et leur siège à Planète Science, c'est au planétarium, mais ils n'avaient pas de lieu, on va dire, où ils pouvaient réaliser, outre le planétarium, des interventions de sensibilisation à la culture scientifique et technique. Et là, elle s'ouvre au numérique, et donc un partenariat va être mené avec eux. Par exemple, le président est un bon exemple de leur démarche. C'est un jeune qui a participé aux ateliers de Planète Science et qui aujourd'hui est ingénieur dans le domaine de la science. Donc voilà, c'est le projet, c'est aussi ça, c'est de participer à la valorisation des acteurs et également, s'il y a des ressources sur le territoire, on les valorise. On peut avoir aussi des associations dans le domaine culinaire. Il y a beaucoup d'associations qui... Donc l'idée, c'est de les associer à la partie cuisine. Les jeunes aussi vont être associés à différents projets. Donc on accueille par exemple bientôt un groupe ressources jeunesse qui mobilise 50 acteurs du territoire autour de la jeunesse qui vont travailler aussi en lien avec la ville en faveur des nouveaux projets de la jeunesse. Voilà, donc c'est... En fait, on peut intervenir à la médiathèque de manière ponctuelle pour l'animation, je vous montrais tout à l'heure, d'une journée autour du jeu vidéo, puisque c'est un des projets d'une association locale. On essaie au mieux de valoriser en premier les associations locales. Si besoin, on va rechercher des ressources métropolitaines. Mais en tout cas, on n'est pas dépourvu en termes, et au contraire, on a... Non, manifestement, ça me l'air assez... exemplaire. Ça donne très envie de venir vous rendre une petite visite. Malheureusement, notre demi-heure s'est écoulée, mais je pense qu'elle se prolongera justement par des visites et peut-être d'autres contacts. A priori, toutes les questions qui ont été posées en direct, nous y avons répondu. S'il y en a d'autres sur Facebook, évidemment, ça sera toujours possible de répondre. Il me reste, Valérie, à vous remercier. Merci pour votre invitation. J'ai aussi envie de dire bravo parce que ça donne très envie, on sent l'énergie, le dynamisme qu'il y a derrière tout ça. Et je veux dire un petit merci à notre équipe de régisseurs qui, comme d'habitude, nous a parfaitement soutenus. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.